Ça marche pas là. Putain, mon Kinder Bueno. Je crois que c'est du respect. Hey, c'est là que tu sais. Je ne comprends pas. Allez à l'affaire. Non pour Beethoven. All in my dreams. Mais vous fumez. Damn. Mais oui, c'est clair. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sous Kratos, votre bien-aimé, toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, quelque part, on continue sur notre lancée des Donpachi, Dodonpachi. Pourquoi ? Alors non, ce n'est pas un jeu Dodonpachi, c'est Batsugun qui est en fait un jeu qui est proposé par Toplan, qui est sorti à l'origine en 93. Et Toplan, c'est qui ? Bah, en fait, c'est les développeurs, ou en tout cas, une partie de ces développeurs fonderont Cave plus tard, justement, les papa et maman des Donpachi et Dodonpachi. Et Batsugun, je dis que je continue dans ma lancée, parce que, quelque part, eh bien, il est considéré très souvent comme le premier manic shooter. Et c'est vrai que clairement, quand on joue à Batsugun, on se dit en fait, les Donpachi n'ont pas inventé grand chose. Alors c'est faux, parce qu'il y a quand même des différences notables déjà en termes d'univers. Or, juste avant de commencer, le jeu est sorti en 2003 sur arcade, bien évidemment, mais vous pouviez le retrouver eh bien, sur Saturn en 96. Et donc, je disais, c'est quand même très différent de Donpachi ou Dodonpachi. Plus proche d'un Donpachi, je dirais. Mais bon, ça reste quand même différent. J'allais dire en termes d'univers, mais non. L'ambiance est assez différente. Que ce soit musicalement, à mon sens. Encore une fois, ça se dénote moins avec le tout premier, donc le Donpachi. Mais clairement, après, avec Dodonpachi et tout, je trouve que c'est quand même assez différent. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ce Batsugun. Franchement, j'ai presque même envie de dire que je la préfère à celle des Dodonpachi. Pourtant que j'aime beaucoup, hein, y a pas de souci avec ça. Mais je sais pas, y a quelque chose dans la DA, même des personnages. Hein, on a le choix entre trois personnages. Et ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je vous avoue que rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, testez Batsugun. Je sais pas comment le dire, hein, Batsugun, enfin bref, moi je dis Batsugun. Rien que pour l'ambiance, moi je vous le recommande déjà. En plus, niveau durée de vie, franchement, alors évidemment, si vous êtes un acharné qui veut que le faire en 1cc, bah oui, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais si vous voulez juste faire une petite partie, vous allez perdre quelques crédits, mais aller jusqu'au bout du jeu. Et bah franchement, ça dure, allez, 30 minutes max. Je pense que si tu connais hyper bien le jeu, on doit être en dessous. Et c'est vraiment, voilà, il y a 5 stages, tu fais tes 5 stages, t'es content, t'as passé un bon moment. Les stages sont pas trop longs. Par contre, en tout cas, je dirais les 2 ou 3 derniers boss, oh, c'est des sacs à PV. Oh putain, c'est des sacs à PV. Ça m'a clairement moins plu. Mais donc je vous disais, on va pouvoir choisir entre trois personnages, hein, qui ont trois vaisseaux différents avec des tirs différents. Bah, d'ailleurs, comme dans Donpachi ou Dodonpachi, il y a le type A, type B, type C. Dans l'esprit, on est quelque chose d'assez similaire. Et bah voilà, les tirs sont différents de l'un à l'autre. Ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir soit tapoter le bouton, c'est là en général que ça fera quand même le plus de dégâts. Soit vous pouvez laisser appuyer, mais c'est un petit peu différent. Et c'est pas aussi marqué que dans un Donpachi ou un Dodonpachi. Où là, c'est très très clair. Là, voilà, il y a des petites différences. Mais globalement, vous allez faire plus de dégâts, de ce que j'ai compris. Eh bien, en tapotant à fond votre bouton. Vous allez retrouver les P et les B, comme dans un... Encore une fois, la fameuse licence de Cave. Donc les P qui vont pouvoir ramasser jusqu'à 5 maximum, qui vont rendre votre tir actuel plus puissant. Et je dis actuel, pourquoi ? Bien parce qu'écoutez, le jeu se dote d'une mini-composante RPG. Vous allez pouvoir monter de niveau. Alors, il n'y a pas 15 millions de niveaux, hein, il y en a 3. Enfin, c'est-à-dire que vous avez le premier, le deuxième et le troisième. Donc, en gros, quand vous commencez le jeu, votre tir, mais vraiment, hein, que ce soit en termes de puissance ou visuellement, va beaucoup évoluer deux fois. Et après, ça se rajoute à cela
l'épée qui vont venir augmenter ben, le tir que vous avez. Et puis voilà, avec ce petit truc, je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Bon, par contre, dommage quoi que ça s'arrête au niveau 3. Hein, on aurait bien voulu pousser le vice un peu, au moins jusqu'au niveau 5, j'ai envie de dire, hein, tu vois. Mais c'est cool, voilà. Un petit composant RPG, pas piqué des hannetons, comme dirait le Ozaki Show. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Donc j'ai pas grand chose de négatif hein, franchement à redire à ce jeu, comme je vous dis, je trouve techniquement bon, DA très bonne, musicalement très cool, le gameplay un peu moins profond je dirais qu'un Nononpachi, mais quand même très sympa à mon sens. Les bombes, oh, alors les bombes elles ont les mêmes effets hein, là encore une fois que dans la licence de Cave, c'est à dire tu la balances et puis bah, ça te protège de tous les tirs et ça touche tout l'écran, certes, par contre l'exécution, oh putain, c'est moche quoi, c'est vraiment une petite bombe comme ça qui prend une petite place dans l'écran, c'est pas une, tu vois, c'est pas une putain d'explosion où tu te dis, waouh, wow, ouais, là tu sens bien que ça touche tout l'écran, non, non, c'est une petite explosion dans le coin, tu vois, et ouais, ça je trouve que c'est très 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 raté, pourtant, je veux dire, les tirs, je les trouve assez magnifiques, notamment ceux de la meuf du type B. Ouais. Par contre, les bombes, franchement, je suis désolé, c'est un raté. Bien évidemment, même si je ne l'ai pas fait, vous pourrez y jouer à deux. Et voilà. Si vous n'avez jamais joué à Batsugun, voilà, Batsugun, je le dis de ces deux façons-là. Jouez-y, hein, que ce soit sur Saturn ou en arcade. En émulation, ça fonctionne très très bien. J'ai eu un ou deux légers ralentissements, mais. J'ai vu bien pire dans Dodonpachi, donc franchement, très très correct. Donc si vous aimez les shmup et que vous n'y avez pas joué, et que tout particulièrement, peut-être, vous aimez les manic shooters, mais j'imagine que si vous aimez les shmup et en plus les manic shooters, il y a des chances que vous ayez déjà joué à Batsugun. Et en tout cas, bah, ce Batsugun, il m'a donné encore envie bah, d'aller plus loin, voilà, de creuser, les jeux de Toplan, et puis d'aller faire un petit tour, et puis de voir ce qu'ils ont fait d'autre. Voilà. En tout cas, bah, n'hésite pas à me faire un petit retour sur ce que tu penses de ce Batsugun, est-ce que tu le préfères ou pas à un Donpachi ou un Dondonpachi. Et sinon, bah, quel autre shmup de Toplan que tu connais peut-être, eh bien tu me recommanderais, je suis vraiment, vraiment preneur. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.